pour le tag tant attendu qui est le Sister Tie. Donc je retrouve aujourd'hui avec Juliette. Donc vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo concours où j'avais présenté le concours avec Fabien, Juliette et moi. Et donc à votre très très grande demande générale, on a décidé de faire le Sister Tag. Donc c'est un tag en 23 questions. Donc c'est parti. Alors premièrement, quel âge avez-vous? Bon, moi j'ai 14 ans, je dois avoir 15 ans. Et moi j'ai 17 ans, donc tout le monde me fait ouais c'est pas ta grande sœur, c'est pas ta grande sœur, en fait non c'est ma petite sœur, on a 2 ans et demi d'écart. Donc voilà. Question numéro 2, décrivez l'une en un mot. Alors là... Attends, te décrire en un mot, je dirais studieuse. Oh, c'est gentil. Oh, bah, toi je dirais... J'hésite entre fashion et... Mais non. Je sais pas, je dirais rigolote. Est-ce que les personnes vous confondent? Non. Non, pas spécialement. Enfin, ils nous confondent pas, genre ils l'appellent pas Marie, ils m'appellent pas Juliette, mais souvent ils pensent qu'elle est plus grande que moi. Voilà. Question 4, qu'est-ce qui vous agace le plus chez l'autre? Ce que tu dis. Ce qui m'agace le plus chez toi, c'est... que tu m'as mis beaucoup trop forte toute la journée dans la chambre. Mmh, ok. Question numéro 5. Qu'est-ce que cela fait d'être la sœur d'une gourou YouTube? Ça me fait rien, mais bon, après. Moi, ça me fait rien. Ouais, voilà. 6. Vous disputez-vous jamais? Si. Tout le temps. On se dispute tout le temps. Et bon, c'est comme ça. Question numéro 7. Quelle est la meilleure chose chez l'autre? La meilleure chose chez toi, c'est... C'est si difficile que ça. Je dirais ta beauté. Oh, c'est trop gentil. Moi, je dirais que tu sais bien t'habiller. Ah, c'est vrai? Ouais. ensuite, question numéro 8. Est-ce que vous pourriez vivre l'une sans l'autre? Bah oui. Oui, du moment qu'on s'appelle... Mais c'est bon, hein. Voilà. Question numéro 9. Meilleure blague délire ensemble? franchement, là... qu'est-ce qu'on a fait? Sur quoi on rigole tout le temps? En vrai, il y a plein de trucs sur quoi on rigole tout le temps et souvent on se les rabâche. Mais là, sur le coup, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Je m'en rappelle plus. Je sais pas, il y a Roger. Ah oui! Ma soeur, quand elle appelle son lapin, elle crie dans toute la maison, elle fait Roger! Comme ça! Et elle court après le lapin partout, partout, partout. Et trop vite, c'est pas de ma faute. Je crois que ça pourrait être ça, ouais. Ensuite, question numéro 11. Vraie demi ou belle sœur? Non, ouais. Vrai, on a les mêmes parents. Question numéro 12. Avez-vous les mêmes goûts musicaux? Ah non, pas absolument du tout. Pas. Ah non, non, non. Ouais, moi je suis plutôt rock, punk, grunge, alternatif. Et elle est plutôt disqueté, parce que moi je sais même pas en fait. Pff, plutôt électro. Enfin, toutes les musiques du moment en fait. Voilà. Ensuite, question numéro 13, qui met le plus de temps à se préparer? T'es. Ouais, je crois que c'est moi. Question numéro 14, talons ou chaussures plates? Bah, ça dépend des jours en fait. Hein. Ouais, moi aussi, enfin, quand je vais en soirée, bah, souvent je mets des talons. Et... Non, moi, obligatoirement en soirée, même quand je vais en cours. Ouais, mais c'est pas des gros talons. Non, c'est pas des talons de 200. Ouais, moi, moi aussi, si j'en mets, c'est pas des gros gros talons, mais sinon, ça dépend des jours en fait. Ouais. Mais enfin, esthétiquement parlant, je trouve que les chaussures à talons c'est plus joli que les chaussures plates. Par contre, pour marcher toute la journée. Ouais, c'est dur. Après. Question numéro 14, pantalon ou robe? Bah, tout dépend aussi. Hein. Ouais, ça dépend aussi, mais moi je porte plus de pantalons que de robe. Enfin, ouais, moi aussi. Moi aussi, quand voilà. Dit, ouais. Ouais, pantalon. Question numéro 16, votre animal préféré? Bah, moi, c'est le lapin. Moi, j'aime bien les chats. J'aime bien les pandas aussi. Panda! Bah, c'est mignon les pandas! Ensuite, question numéro 17, si ta maison était en train de brûler et que ta famille était en sécurité, quelle serait la chose que tu sauverais? Mon portable. Et mon iPod. Non, il n'y a qu'une seule chose. Mais pas mon portable. Moi je sais pas. Hein. C'est ton ordinateur toi. Ouais, je pense que ce serait mon ordi ou ma guitare. Je sais pas. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Ensuite, question numéro 18, comédie, horreur ou film de filles? Ah bah ça c'est vite choisi Juliette hein. Moi c'est film de filles hein déjà. Voilà, et moi c'est plutôt film d'horreur. Comme hier soir. Comme hier soir, ouais. Hier soir j'ai regardé 28 jours plus tard. J'ai très mal dormi. Question numéro 19, Blackberry ou iPhone? Blackberry.
C'est un peu mon portable, donc bon. Bah, moi, c'est l'iPhone, donc voilà. Question numéro 20, film favori. Mon film préféré, ça serait Harry Potter. Toute la saga d'Harry Potter. Ouais. Bah, moi, ça dépend parce que j'ai un film préféré dans quasiment chaque catégorie de films. Par exemple, en comédie, bah, pour moi, c'est Juno. Dans les films d'horreur, j'ai adoré La Dame en Noir. Après, je sais pas trop. Comédie, c'est pas Zombieland, Zombieland. Ah, si, Zombieland aussi. Enfin, bon, voilà, plein de trucs comme ça. Après, dans les films de filles, qu'est-ce que j'ai regardé que j'ai grave adoré? Toi, tu sais, je pense. Dans les films de filles que t'as regardé, t'as trop adoré? Je sais pas. Ah, pendant super longtemps, j'ai regardé la série Heartland. Et je regarde toujours d'ailleurs. Ouais, dès quelle page je la regarde. Ouais, bah, je pourrais dire ça, ouais, j'adore Heartland. Ensuite, question numéro 21, quelle est la chose la plus bizarre que tu as mangée? Que tu as mangée? Des pâtes au Nutella. Ah, t'es sérieuse? Quand est-ce que t'as mangé ça? C'est horrible! Moi, qu'est-ce que j'ai mangé de pire? Quelle est la chose la plus bizarre que j'ai mangée? Ah, oh, je sais. Un jour, je voulais faire un gâteau. Et en fait, j'ai fait de la pâte à crêpes. Ah ouais, En fait, c'était pas... Ouais, c'était pas dégueu, mais c'était bizarre, en fait, parce que j'ai mis la pâte à crêpes dans un espèce de gros... de grand plat en verre et je l'ai foutu au four. Bon, en réalité, ça m'a fait... une grosse crêpe. Une espèce de grosse crêpe super épaisse. Enfin, bon, c'est bizarre, mais en fait, c'était bon, finalement. Avec du Nutella, c'est passé bien. Ouais. Question numéro 22, quels sont vos points communs? Les yeux bleus, toutes les deux. Ouais. Moi, j'avoue, au niveau du physique... Si on entend parler au niveau du physique, on a toutes les deux les yeux bleus, on a la même couleur de cheveux. Après caractère. Après caractère, on n'a pas 40 000 points communs en fait. On en a aucun d'ailleurs. Si elle aime bien le maquillage comme moi, mais après. Si les vêtements. Bon, on s'habille pas pareil. On s'habille pas pareil, mais il y a de temps en temps des vêtements sur lesquels on est d'accord. Genre quand elle a acheté son truc et moi je suis là, putain, je voulais l'acheter. Ou quand j'achète un truc, ah mais t'es chiant, je voulais l'acheter aussi. Genre. Voilà, bon, c'est un peu toujours ça, mais sinon, ouais, point commun à caractère, ouais, pas trop. Question numéro 23, quelle est votre émission télévisée préférée? Secret Story. Je sais pas pourquoi je savais que t'allais répondre ça, tu vois. Moi, c'est absolument pas Secret Story. Émission télévisée, putain, mais en fait, moi, je regarde pas beaucoup la télé, donc... Mais quand je regarde la télé, c'est pour regarder des séries et tout ça, pas forcément des émissions. Quoique une série, c'est une émission, non? Non, bah non, une émission de réalité. J'ai pas des... Ouais, émission, j'en ai pas. Mais par contre, série, j'adore regarder Ghost Whisperer. Et voilà. Et voilà, donc on a fini toute la série des questions. Donc c'était... En fait, ça... sur le coup, je pensais que ça allait être grave long, mais en fait, c'est super court, tu vois. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous aussi, si vous êtes youtubeuse, faire le tag sister si vous avez une sœur ou le tag brother si vous avez un frère. Donc je mettrai toutes les questions en barre d'infos si jamais vous avez envie de faire ce tag. Et donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous aussi vous avez des différences avec votre sœur ou des choses comme ça, genre des points communs ou je sais pas ce que vous voulez. Dites-nous si vous entendez bien avec eux, etc. Et puis voilà, mettez... plus simple la vidéo, enfin pas plus simple mais likez la vidéo si vous avez peut-être envie de revoir Juliette dans une prochaine vidéo, oui. Genre je sais pas, pour un cobaye ou quelque chose comme ça, ou voilà, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et voilà les filles, donc je vous fais toutes de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.